Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Read Your Note en mode commandant, les amis. Donc, alors moi, de mon côté, j'ai fait une petite mission. En fait, je l'ai testée, je vous montre. Si vous vous souvenez bien, j'avais des bonhommes anxieux, etc. Et en fait, j'ai trouvé comment, comment, par exemple, les envoyer en théorie, en thérapie. En fait, je peux pas. Vous voyez, en fait, je pouvais pas la dernière fois parce que j'étais, je pense, en mission. Et là, en fait, je peux juste pas les envoyer. Donc, j'ai quand même des mecs qui ont débloqué leur. Voilà. Leur. Comment ça s'appelle? Leur pouvoir, on va dire. Enfin, leur trait. Donc, j'ai un négociateur. J'en ai un autre. Je sais plus lequel, pour être franc. J'ai pris un secouriste, donc lui c'est un nouveau, et ça permet de sauver la vie d'un agent incapacité au cours d'une mission. Donc je me dis, voilà, Davis, il peut servir peut-être à me donner une vie supplémentaire, vous voyez. C'est comme ça que je comprends le truc. Donc, écoutez les amis, on va partir. Donc voilà, je garde le même stuff, mon équipe garde le même stuff. On va être parti pour. On est où? Hop, 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 ouais. Je vais aller. C'était où? Les évidences, je crois que c'est là-bas, non? Là-bas, c'est mon SWAT. C'est ici, peut-être. Non, c'est là où je viens, ça, non? Ok, c'est ici, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, là, voyons, on va partir en mission. Ici, emprise perverse. Alors, les inspecteurs ont suivi. Donc là, on va être la nuit. Donc, je pense que un petit coup de lampe torche, ça serait pas mal. On suivit une nouvelle piste afin de localiser un important site de stockage de drogue à Los Sueños. Ok. Donc un HLM, donc combat rapproché probablement, avec beaucoup de pièces. Attends, si c'est ça un HLM, on n'a pas trop la même notion du HLM quand même. Hein. Ok, donc là, c'est plus combat de drogue, donc. Voilà, potentiellement des mecs armés jusqu'aux dents. On verra. Ce qu'il va falloir que je vois, c'est si on. Comment? Ouais, si on peut éviter que nos mecs meurent et tout. Ok. Donc là, il va faire nuit, hein, attention. Ah, d'ailleurs, là, peut-être que des lunettes tactiques auraient été bien. J'avoue. Ah, j'avoue. Enfin, des lumières, des lunettes. Ouf, merde. Non. D'accord. Donc, si j'éteins, ils éteignent. Et si j'allume, ils allument? Non, attendez. Voyons un peu. Ouais, ils ont l'air de suivre ce que je fais, moi. Donc, ok. Alors, c'est quoi mes objectifs, en fait? On doit. Alors voilà, je vous laisse le petit briefing ici, les gars. Comme d'habitude, hein, vous mettez pause. Voilà, si le. Vous mettez pause, hein, voilà, tout simplement. Donc on a arrêté deux suspects. Ok. Donc ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas tué tout le monde. On a libéré tous les civils. On doit localiser deux laboratoires de meth. Et on doit trouver le stockage. Ouf, ouais, mais ça a l'air grand en fait, les gars. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Il y a deux étages. Ok. Bon, du coup, j'entends des chiens. J'entends. Alors attendez. Ça semblerait être par là, du coup. Ah, peut-être là-haut. Voilà, donc méfiance, les gars. Get down on your knees. Get down now. Put your hands up. Police, get down. Ok. Premier gars. Sécurisez-les, les mecs. Non, personne ne veut. Ok. Don't you fucking move. Ouais, je vais le faire, hein, du coup. Merci, les potes. Je vous aime. Donc, ça, c'était un suspect, les gars. Mais il avait pas d'armes, si? Non, il n'avait pas d'armes. Bon, on a déjà le premier mec.
là? Là, on est là. Ok, maison là-haut. Ah ouais, après, il va peut-être falloir aller, genre, tu sais, par là-bas ou quoi. Ah oui, sinon, on aurait pu arriver par là. Ok. On va faire gaffe, hein, parce que là, c'est peut-être des maisons. Ok, c'est peut-être piégé, c'est peut-être... Ouais, il y a un mec là-bas. Holy shit! Ouf. Ok, il y a deux mecs. Allez les potes. Bah ouvre mec. Unlock it. Multi-tool ready. Je suis prêt à tirer les potes. Hein. Là j'ai été blessé un peu. Door Ça. unlocked. Ok. Flash out. Ok. Ok, donc il y a lui qui est mort. J'ai un mec blessé. Ok. Bien joué les potes. Bien joué les copains. Donc j'ai un type blessé, c'est qui? C'est Davis. Ok. Alors là, ils m'ont éliminé deux mecs. Je peux pas passer. Je passe par là alors. On va faire gaffe. Hein. Là-bas, il y a une porte. Ok. On regarde bien partout, les potes. Hein. Ok, protégez-moi, les mecs. Quoi, il y a un mec. Et il n'y a qu'un seul mec. Ok. Attendez, j'ai entendu un bruit. Ok. C'est bon, désolé les mecs. Ah, je suis concentré, les gars. Il faut, hein. Ok. Ah, vous voyez? Et c'est là, en fait, que les armes avec un viseur sont... Enfin, une lampe, pardon, sont hyper intéressantes. Non. Non, mais venez avec moi, les mecs, non? Ah, ok. Là, on doit être sur la deuxième chambre. Ils sont où? Ok. Ils sont là. Ok, bon, ça c'est nettoyé, les gars. Il reste cette pièce-là. Là, dehors, on sait qu'il y avait un type. Vas-y, mec. Ok, nice. Allez. Ils ont sécurisé les deux, je suppose. Enfin, le mec est... Et la preuve. Enfin, et son arme. Ok. Attendez, hop, voilà, on remet bien tout. Voilà, let's go, poulet. Donc là, ici. Ok, là-bas, il y a une télé. Et là-bas, il y a une porte avec une pièce qui monte. Ok, on se souvient de ça. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Attendez. Ouais. Donc là, on est dehors. Ok. T'es bon, le mec, il sécurise vite. Hein. Ok. Donc là, je suppose qu'on a tout. Ok. Donc là, il y a une autre porte. Et là-bas, il y a une autre pièce. Ok. Alors, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a là? Donc on est un garage ou je sais pas quoi. En vrai ça a l'air... Ok, ça a l'air safe, mais vite fait quand même. Hein. Ouais, là, je le sens pas, les gars. Mirat. All right. Wand's ready. Vas-y, mec. Safe, no traps. Nothing. Ok. Open and clear. I'm good to go. Allez, les mecs. Shit, it's locked. Get the lock. Lock it. My god, mec. Prenez des décisions, non? Unlock and ready to go. Ok. Allez, les potes. En tout cas, c'est bien, vous voyez, il y a lui qui protège genre là. Ok. Ok. On a quoi là? Une chambre. En fait, c'est perturbant parce que... Ok. Personne. Vas-y, mec. Ok. Ok, c'était un civil, c'est dommage. Ok. Ça, c'est... Attendez, ça, c'est la pièce de base où j'étais, non? Ok, on va déverrouiller, nous. Bon, pour l'instant, on arrive à se démerder sans trop de coups de feu. Ouais, ça, là, c'est là où on était, là. Non? Ouais, c'est ça. Là, c'est là où on était. Ok. Ok. Bon, après, on n'est pas très discret, quand même. Hein. Les mecs, on marche et tout, tu vois quoi? Ok, là, il n'y a rien, encore une fois. C'est juste une grande pièce. Oh, par contre, toutes les pièces sont fermées. What the fuck? Elles sont toutes fermées à clé, les gars. Ok. Ah, je sais pas, j'avoue que je sais pas trop ce qu'on cherche pour le côté. Vous voyez, cristal de maître et tout. Ok. Alors là, il y a l'air de rien y avoir, mais. Ouais. Là, j'ai pas confiance, les potes. Open the door, clear it. In position. Fucking locked. Ben, look, mec. Tools on that lock. Multi-tool ready. Allez, les mecs. En tout cas, c'est bien, tu vois. Genre, il y a toujours un mec qui protège notre dos et tout. Tu vois quoi? Going in. Ok. Ah oui. C'est ça, ok. C'est la pièce du... Avec les petits escaliers. Ok. Allez. Mais avancez. Mais les mecs, je peux pas avancer moi. Move in and clear it. I'm going. Merci. Il y a déjà un mec là qui est mort. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour ils ont crié? Je suis eux. Ok. Ah, génial! D'accord. Donc, voilà ces grands trucs-là. Ok.
Ouais, alors là, par contre, il y a beaucoup de choses à regarder de partout, là, les gars. Bon, on va faire ce côté, hein, du coup, vu qu'on est là. Et après, il rentre pas. Ok, c'est bon. On l'a eu, les mecs. Allez, parfait, j'ai arrêté deux suspects. Ça, c'est déjà fait. Allez. Voilà, ça, c'est fait aussi. Les shots, les gars, sont dans un état. Quoi? Luca dit quoi? Ah, il a dû me montrer, je pense, le truc. En tout cas, c'est. Waouh! C'est pas le grand luxe, quoi, si tu veux mon avis. Ok, il nous reste deux pièces. Ok, une chambre d'enfant. Ok, il y a un enfant. Ok. On va les laisser vider. Et donc lui, il va rentrer là? Ok. Ok, ça les gars, c'est violent les gars. Ok. Move in, clear the room. Stacking. Get down now. Moving. Ok, là les mecs. C'était temps d'accent là les potes. Putain, il était bien caché en plus. Ah, il a failli me flinguer. Hein. Là, je suis. Ah, là, je suis gravement blessé là. Je suis gravement blessé. On a quoi? Pour une chambre d'enfant? Allez-y, les mecs. Hein. Moi, je peux plus prendre de risques là. Ok, ok, allez les gars. Donc ça on a regardé. Ouais, ça c'était là, ok. Là ici on a déjà regardé. Allez. Donc venez avec moi les mecs. Ah là-bas on n'a pas été encore. Et ici, attendez. On a déjà été ici? Non. Non, on n'a pas fait ici. Ok. Alors là, s'il y en a un qui ouvre et qui me flingue. Ok, non, il n'y a personne. Peut-être un mec là-bas dans le fond, mais. Ok, les mecs. Et porte ouverte. Enter the room and clear. Acknowledged. You get a slide over. Allez. Allez. Here is. Brainy. Il m'en fait. Il m'en fait peur, c'est con. Ok. Ok, alors là, j'avoue, en plus, on peut nous prendre à revers et tout par là. Alors, si on fait pas gaffe, on peut crever. Là, je pense qu'il va y avoir un gros fight, là. Franchement, je le sens pas du tout, là. Un type là. Ok, là, c'est un labo, là.
throw a stinger. Stacking. On va essayer avec ça, tiens. Allez, les mecs. Allez, les potes. Allez-y. Quoi, c'est locked? Ah, ok. Là, on sait qu'il y a un type, là. Par là, là. Ou par là, genre. Ben, allez-y, les mecs, hein. Oh. Holy shit. Putain. Oh, il m'a éclaté le truc, quoi. Genre, en vrai, ça fait super mal, hein. Bah j'ai envie de dire nettoyez-moi tout les gars. Allez les potes. Ouais ok, donc là c'est vide. Putain, là il y a plein de pièces de partout les gars. Oh là là. Use the mirror, check for targets. Ok, allez les gars. No device here. Unarmed contact. Quoi? Il a dit qu'il y a un contact? Ouais, il y a un mec, mais Open the door and flash it. Done. Oh, on va pas prendre de risque, les potes, hein. J'ai envie de dire. Ouf. Merde. Putain, je crois qu'il y a... Ah là, il y a un civil qui a pris une balle. Hein. Ouh. Ok. Dans la panique, j'avoue, j'ai tiré. Hein. En fait, genre, ça m'a fait sursauter, genre. Ok. Là, il y a quoi, là? Oh, genre. Pff, chier, putain. Oh, je me suis fait tuer, quoi. Oh, c'est moche. Oh, putain. Ok, ils sont tous anxieux. Oh là là. Ok, alors ça fait quoi quand nous, on meurt? Oh. Putain, là, je suis dégueu. Ah franchement les mecs, je suis... Ok, bon. J'ai l'impression en tout cas que c'est pas pénalisant, voyez. Mes mecs sont juste anxieux. La mission est finie. Mais si on regarde par exemple l'émission... ouais, c'est ici. Ouais, j'ai pas l'impression que... ça a changé quelque chose, vous voyez. Ok, donc on peut mourir. Et nous, en tout cas. Et c'est pas si gênant que ça. Oh voilà, bon, nous les amis, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, on va rester sur une défaite. Et bon, je vous ferai voilà, une victoire pour la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.